Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve pour la suite de la saga du Khajiit Kleptoman sur The Elder Scrolls 3 Morrowind. La dernière fois, on a visité un sanctuaire d'Edric. On est revenu en fait sur l'un des premiers endroits qui nous avait dit non, t'as des baskets, tu rentres pas, et on leur a expliqué qui c'était le papa Khajiit. Voilà, on a toujours autant la classe, bien évidemment, et on va aller au deuxième endroit où on s'est fait humilier au tout début du jeu. On va aller visiter là-bas. Donc apparemment, j'aurais rien oublié. Hop, bon, par contre, tu es bien gentil. Mais je préfère qu'on ne te voit pas. Voilà, c'est mieux. L'immersion en première personne, je la trouve plus intéressante. Alors, je sens que lui... Ah non, lui, c'est le fameux PNJ. Du coup, est-ce qu'il va nous parler, nous dire quelque chose de spécial, vu qu'on a... Non, il n'y a rien de nouveau. Hein. Hop, hop. Alors... Non, il n'y a rien de spécial. On va donc se faire probablement agresser par cette sainte dorée avec son écu en ébonite à 25 000 et l'épée courte. Oh, je suis à 326 sur 380. Ça ferait, oh, je pense que je peux en retrouver facile. De toute façon, normalement, elle ne devrait pas disparaître. Oh, quoique, si les cadavres doivent disparaître au bout d'un moment, je pense que ça disparaît pas. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, mais si je fais ça et qu'ensuite je pose le stuff genre par terre ici. Est-ce qu'il disparaît ou pas? Hop, hop. Alors, épée en ébonite. 1199 sur 1200. Et l'autre, 555 sur 1200. Vous savez quoi? On va déposer celle qui est le plus abéomie. C'est 10, 20, 10, 22, 15, 25. C'est bien la même. Hein. 10, 20, 10, 22, 15, 25. Voilà. Et est-ce que, du coup, si j'ai changé d'épée, il va me garder en mémoire? Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Bon. J'imagine que le Billy va nous tomber dessus. Pas pour le moment. Non? Bon, bah, très bien. Il y en a un autre là-bas. Je suis allé là, oui, je pense. Je pense que je l'aurais vu. Ça vous dit quelque chose? Châle. Je serais pas passé à côté. Ouh, attends, il y a du mort-vivant. Non, c'est pas la bonne arme. Vite. Celle-là, celle-là. On le stun, on fait quoi? Oh, on le stun. Voilà, on va pas prendre de risque. Je serais passé à côté de ça? Oh, lame courte 91, je prends. Alors ça, ça ne vaut rien. Et le reste, ça ne vous intéresse pas forcément. Ça ne dit rien du tout. Après, ça fait longtemps, mais je pense que je m'en souviendrai quand même. C'est très bien. Ce combo cheaté. Bon, allez, on va le faire sans le stun. Désolé. Hop. Alors, attendez. Est-ce que je peux looter le seigneur des ossements? C'est toujours pas des trucs qui valent de la thune. Une porte piégée. Donc, j'ai pas viré le piège. Donc, c'est... Ah, attends, c'est mauvais. Voilà. On va faire une petite save au cas où. Parce qu'on sait jamais. Hein, c'est peut-être... Il y a peut-être une très très mauvaise surprise derrière. Tu vas m'attaquer, toi? Tu ne bouges pas. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire un truc genre ça? Fais jamais ça. Ah non, attends, c'est comme ça. Aïe. Ça a l'air de te faire mal. Si j'étais toi, je resterais pas là. Tu veux me montrer à quel point tu tankes bien? Tu me fais leveler ma compétence à l'arc. C'est gentil, ça, dis donc. Bon, je suis en train de gâcher des flèches, mais ça... J'ai réussi à viser à côté, quand même. Mais je le touche plus! Ah, ça y est, il est énervé. Oh non, vas-y, me mets pas un truc qui va m'enlever des... Attends, on va faire ça. Ok, est-ce que ça va le désinvoquer? Oui, et j'ai pas pris de malus ou de maladie ou de je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Une amulette en cage exquise. Exquise, normalement, c'est bien. Un anneau de qualité, robe d'un goût exquis, mais c'est trop lourd, portion de force de choix... Potion de paralysie standard, je pense pas que ce soit très très utile. Ok, ok. Bon, très bien. Vous portez une charge trop lourde. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Oh non, vas-y, je me suis pris un debuff. Oh là 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 là. Mais pourtant, je le vois pas, attends. Ok. Bon, un soin de force, je dois avoir ça. Potion de force de choix. Potion de soin de chance, ça doit être après.
soin endurance, soin fatigue, soin force de qualité. Vas-y, on va voir. Ok. Bon, j'avais peut-être pas besoin d'utiliser une de qualité, mais vu que j'utilise jamais mes potions, et qu'après, vous me dites dans les commentaires, tu prends plein de potions, mais tu l'utilises jamais. Et ben voilà, j'ai utilisé une potion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Origine de la guilde des mages. Très bien. Un parchemin arcanix corrompu. Bah, on prend. Hein. J'aime beaucoup le texte à chaque fois, les parchemins. Intervention divine mouche, fantôme. Hein. Potion de santé standard, ça c'est un peu pourri. Potion de bouclier ardent de qualité, on va prendre. Guérison des maladies, on va dire, on s'en fout. On va ouvrir ça. Non, ça c'est. Non, c'est absolument pas ça qu'on voulait faire. Oui, voilà, très bien. C'est exactement. Bravo. Bravo. Hop, et deux. Oulala. Ah, mais c'était un marchand. Ah! Il allait peut-être pas m'agresser, c'est pour ça qu'il bougeait pas au départ. Ah! J'ai peut-être fait une grosse boulette. Fermé. Ah, attendez, je vais recharger. J'ai peut-être fait une grosse boulette. Ah. À voir. Au pire des cas, je leur tue en 3 secondes. Oh mais non, t'es méchant. T'es méchant. Voilà, bon, il... Ah, toi, tu as pas l'air... Attends, je voulais pas me prendre le debuff force. Ça a l'air d'être foutu. Ok. Bon bah non. Non, il est bien méchant. Ah, ce petit fail. Attends, c'est où la soin de force? Soin de force de choix, soin de force de qualité. Qualité, c'est moins bien. Je vais juste voir si ça permet de me soigner entièrement. Oula, on remet ça. Je l'ai bu ou pas, du coup? Oui. Ouais, non. Je me suis dit, avec le truc de la guilde des mages... Non, mais c'est un... Pourtant, c'est quasiment sûr. Enfin, je sais pas. Il ressemblait à un gars qui vendait des trucs, quoi. Le doute. Bon, c'est pas grave. Ça nous a fait perdre 2 secondes. Mais rien de bien important. J'avais dit... Ah bah, force de choix. Tiens, j'ai perdu une force qualité pour gagner une force de choix. Bon, cette fois-ci, je peux sauvegarder. On est bon. J'ai quand même... C'est bizarre, hein, parce qu'il a le truc de l'origine de la guilde des mages. Il a plein de potions comme un PNJ qui vend des trucs. Je suis quand même un petit peu... Est-ce qu'il y a d'autres trucs à ouvrir? Ça, c'est quoi, ça? Vas-y. Hop. Non, 6. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Coffre. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est good. Et là... Ouh, attends. Ça a l'air bien, ça. Ça a l'air très, très bien. Allez, petite sauvegarde. Et on va voir s'il y a des trucs sympas. Bouclier ardent. Là, 1 000 000 de potions. Mais des potions Zef, même si... Alors, il y en a potentiellement qui pourraient m'intéresser, dont potion de respiration aquatique, voilà. Réflexion, nage rapide, on s'en fout, hein. Marche sur l'eau, lévitation, j'ai ce qu'il me faut. Hop, invisibilité à bas prix, ça peut être intéressant, invisibilité 15 secondes, vas-y, on va prendre. Hop, ça c'est fait, donc on prend parchemin, prendre... Donc ça, c'est de la santé standard, on s'en fout. On prend... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a potion de bouclier de foudre standard, résiste magie de qualité. Qu'est-ce que c'est que ça? Arcane l'ennemi déjà lu, les préparations de cadavre 1. Bon, il me semble que j'ai déjà eu ça. Hop. Ici, on a une jupe et un haut. Osef un petit peu. Ça, Osef. Ça, on prend. C'est léger et ça vaut un peu de thunes. Là, on va juste prendre par principe des shurikens et un panier. Alors là, on devrait gagner... Hop, il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vaut 0,10 pour 10. 0,10 pour 1, 0,10 pour 1, 0,10 pour 20 et enfin 0,10 pour 1. Louche, tout ça. Et là, tu nous dis alchimie qui passe à 21. Parfait. Pour ceux qui veulent lire,
Là, qu'est-ce qu'on a? On a... Oui, il y a tout un nécessaire. Donc, je sais que si jamais à un moment... Creuset de mètres, j'imagine qu'en plus, c'est pas mal. Si à un moment, on a besoin véritablement de faire de l'alchimie, on pourrait se rappeler que cette grotte, eh ben, c'est un repère qui a l'air plutôt sympa. Ah, ça, c'est bien, ça. Hop. Ça, Osef. Et le reste, j'ai l'impression que c'est bon. Je suis quand même... Oh, il y avait des morts vivants. Non, je pense pas que ça... Je sais pas, je suis en train de me dire que potentiellement, ça aurait pu être un gars à qui on aurait pu parler dans d'autres situations. Il m'a vraiment mis le doute avec son livre de la Guilde des Mages. Hein. En tout cas, j'étais complètement passé à côté de cet endroit la première fois que je suis venu. Donc, j'ai bien fait de me balader. Hop, on va rééquiper notre arme. Petite sauvegarde. Et on va aller se venger chez les orques. Enfin, je crois que c'est un truc orc. Oui, bon, tu vas être relou, donc ce qu'on va faire, hop, tu m'as pas agressé, mais dans le doute. Bizarre. Tu n'émettais aucune résistance. Alors, c'est à gauche, si je dis pas de bêtises. On va y aller en sautillant. On va éviter l'eau parce que les poissons, ils sont relous. Ils sont pas bien méchants, mais ils sont relous. Faut le dire, faut le reconnaître. Hop. Hop. Tac, tac. On sautille. Alors, ah, je me souviens, il y avait un système de TP, mais qui n'était pas activé, je crois, sur la gauche. Je vais retourner voir dedans. Il y a probablement des quêtes qui doivent m'emmener là-dedans, hein, mais c'est aussi le côté très très agréable de ces jeux, c'est l'exploration. J'espère juste pas me bloquer en faisant des trucs que je devrais pas faire. Hop. Au pire des cas, je fais une vraie sauvegarde en plus des sauvegardes rapides au début de chaque épisode. Donc dans le pire des cas, je peux revenir en arrière sur un épisode. Hop, donc là c'était la salle du portail où il y avait des portails mais qui menaient à rien. Vous ne possédez pas l'index. Possédez pas l'index correspondant. Je vais y arriver. Du coup, on va retourner visiter l'endroit qui nous posait problème, sachant qu'il nous faut de l'endu. Alors. Parce que de mémoire, ils sont deux ou trois à l'entrée, ce qui. Mine de rien, doit toujours cogner un petit peu. On va sauvegarder. On va attendre juste une heure. Voilà. Personne m'a attaqué. Très bien. Est-ce que j'y vais en bourrin? Non, on va y aller à la dague qui stun. Au moins pour en stun 1. Voilà. Oh, c'est pas la même, dis donc. Hein. Et t'as pas d'amis? Oh, tu m'as fait peur. Donc si vous voyez mon truc qui tremble comme ça, c'est moi qui sursaute derrière le PC, tout simplement. Alors, aha, c'est pas la même qu'au début du jeu, hein, vous faisiez vos malinois, et maintenant, il n'y a plus personne qui l'ouvre. Bon, vous êtes mort d'un autre côté, c'est difficile, mais... Alors, quel est donc cet endroit? Là-bas, il y a l'air d'y avoir une sorte de salle. On sautille. Sont plusieurs. Hop. Voilà, très bien. Toi, t'as plus d'armure déjà. Oui, t'as une glace. Une dague de glace. Oh, elle est magique, elle fait quoi? Paralysie, une autre. Oh oui, mais vas-y, donne. Poids 1,80. Moi, je prends toutes les. Ah, attends, ça, c'est quoi ça? Clé d'Avon Ravel. On verra bien. 77 en plus. Tout le reste, Osef. Vas-y, on va faire une petite sauvegarde. On re-switch. Alors, toi, t'es méchant ou pas? Je ne vous connais pas, que voulez-vous? Alors, attends, je vais ranger mon arme. Sauvegarde. C'est ici que vous allez mourir. Oh, c'est ici que vous allez mourir. D'accord. C'est marrant, je peux lui parler avant qu'il m'attaque. Genre, tu résistes à mes attaques magiques. En fait, je voulais tenter d'augmenter la persuasion, enfin le. De faire en sorte qu'il m'aime bien. Et je voulais voir si après, il y avait moyen. Mais c'est marrant, hein, tous les PNJ qui vous attaquent, s'ils sont pas en mode attaque, ils
peut discuter avec, et ça je trouve ça génial. Donc on a une porte ici qui mène dans un endroit où apparemment il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Bon, moi, il n'y a personne. Ah, si. Provient cette odeur. Donc, toi, tu m'attaques pas. Je vais sauvegarder juste devant. Alors, je ne vous connais pas. Que voulez-vous? Alors, si, je dis au revoir. Je vais me baigner dans votre... Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, vous savez quoi? On va faire un petit test. Donc, avant, il faut lui parler une fois, apparemment, pour qu'il nous attaque. Et moi, j'aimerais tester d'augmenter nos relations. Ah non, 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 malheureusement ça marchera pas. Je suis tellement en train de me dire que je suis peut-être en train de de décimer des gens avec qui j'aurais pu avoir des contacts avec une quête plus tard ou je sais pas quoi. Oh, c'est avarié. Avarié, c'est pas très très bien. Oula. Oui, en train de me défoncer. Vite, 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 vite. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. Là, on rigole pas. Soins de santé de qualité. On va prendre un standard. Ça va pas être instantané, donc je sais pas si je vais pouvoir. Yes. Oula, tout ça. Oh, vas-y, hein, tout prendre, hein. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est dans mon inventaire. Ok. Personne d'autre? On peut même faire dodo si on veut. Un coffre avec dedans fleur spécifique à Tamriel, coupe, potion de soins de champ de qualité, vigueur standard, très bien. Ah, attends. Ah non, c'est juste un anneau ordinaire, dommage. Feu d'enfer, on prend. On prend. On prend. Moi, je prends tous les parchemins et après, je les stocke. Là, rien d'intéressant. Là, rien d'intéressant. Tac. 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 Voilà, parfait. Et il reste ça qui lui est fermé avec un 65, sachant que... Non, je vais dire qu'on peut y aller vers le début du jeu. C'est beaucoup, mais non, on se fait défoncer au début du jeu. On voit un pied qui dépasse là-bas. Alors, clé des esclaves de Lorlamaen et 212 gold. On va tout prendre. Et je peux faire dodo? Non, il y a des ennemis à proximité. Alors, c'est laquelle mon amulette qui est guérie un petit peu? Amulette de coup puissant. Amulette, non. Amulette de marquage. Amulette de guérison, c'est celle-là. Hop, hop, hop. Mais sympa cette amulette. Bon, allez, on dira ça ira. On va repasser sur ça. On sauvegarde. Et normalement, j'ai tout fait. Et on peut avancer. Donc, on a vu un gros orc au loin. Bon, il pue là. Là, il n'y a personne. Là, il y a une porte. On va voir ce qu'il y a derrière. Tu vas pas me dire qu'il n'y a absolument personne. On me la fait pas, moi. Je suis pas un chaton de 2 semaines. Il doit plus y avoir 2 charges, je pense. Hein. Je vais peut-être prendre l'autre arme. Je pense que ton pote va énormément te remercier de ton aide. Hein. Là, tu lui as été d'un secours, absolument. Voilà, c'était bien. C'était très très bien. On prend la thune. 71 quand même, mine de rien. Un petit peu de thune. 17, c'est moins bien. Attends, je voudrais qu'on soit tranquille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Robe, un coffre avec dedans une épée de feu en acier. Ok, là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que Célie sans oreiller? Ça se fait pas. Tu dors pas bien sans oreiller. Oh, celle-là, elle fait des trucs bizarres. Pourquoi elle a des petits... Mais ça fait pas ça, une amulette, normalement?
Ok, de nouveau pas d'oreiller. C'est inadmissible. Hop, 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 hop. Donc ça, on prend. On va tout prendre. Ça, on peut pas ouvrir. Ah oui, décidément, vous faites collection. Ça, Osef, Osef, Osef. Ok. Donc reste ce côté. Ah, de la thune. 10. 1. 5. Un coffre. Avec... potion de choix, chance, potion de rappel, tiens, je sais pas si j'avais déjà vu avarié, avarié et absorceur, ok. Là, rien n'est magique. Perspicacité, mais il y a combien de types de scrolls différents? Est-ce que ça, ce serait pas... Ah, c'est deux choix comme ça? Bon, plume, on verra. Ok, on est bien. Donc je vais voir un truc par contre, je pense que ma dague, ouais, elle a plus de charge. Objet du menu inventaire, on va en prendre une autre, vu qu'on en a plein maintenant. Voilà, hop, ok, on l'équipe, on sauvegarde, et on continue. Il est là. Regarde, 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 et bim, voilà. Bon, ça a marché au deuxième, mais... Alors. Ah, je suis content parce que j'avais peur que ce soit déjà la fin. Vous allez y avoir droit. Allez, toi, je te stun pas. 92. Hop. Toi, je sais pas pourquoi, je sens que tu fais mal. Oh, il m'a défoncé. Attends. Ah mais non, c'est pas, il m'a pas défoncé. J'ai cru que c'était ma vie à un moment. J'ai cru qu'il m'avait quasiment tout shot, quoi. Non, j'ai confondu ma vie et la sienne l'espace d'un instant. La panique. Personne d'autre, non. Ah, ah. Est-ce que ça c'est les gros... Non, c'est pas les grosses gemmes spirituelles. C'est une grande, mais j'imagine qu'il y a plus grand. Je crois qu'elles sont oranges, les très très grosses. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Alors, soin de charisme, une clé mort, le parchemin qui sert à rien. Sujama, ça en prend. C'est bien parce que maintenant, grâce à en ayant monté alchimie, je vois quand même beaucoup. Je vois quand même ce que font certaines choses alors qu'avant je le savais pas. Genre le cognac, c'est pas si mal. Hein. Ça fait 1. Ça vaut 100 pour 1. Et ouais, ouais. Pff, ils sont pas en trouver partout, on s'en fout. Ça, Osef. Ça, Osef. Ça, Osef. Ça, Osef. C'est un peu Osef. De tout. Il y avait rien derrière, non, non. Rien que j'ai loupé, apparemment non. Donc on va continuer ici. Il n'y a plus personne. Une porte. Ah, niveau supérieur. Ah, ah. Donc il y a un niveau inférieur et un niveau supérieur. Ça, j'aime bien ça. Ça, ça me fait plaisir des grands donjons. Je vais repasser sur ma dague comme ça. Vous allez y avoir droit. Vous vous affaiblissez. Vous affaiblissez, elle m'a pas touché. Hop. On peut encore monter. C'est grand. Là, il y a personne. Ah, attends. Il y a quelqu'un. Hop. C'est un peu un massacre. Hein. Je suis désolé. Je suis pas vraiment désolé. Mais je suis poli. Alors, émeraude, on prend, Flynn, volonté, force. Ah, ah, déclenchement sur décision, dégâts de type froid. Bon, non, moi je vois un truc magique, je suis content, mais c'est nul. Hop, hop, hop. Oh, c'est cool, c'est grand. Il m'a vu, il m'a vu. T'es tout seul? C'est quoi qui brûle là-bas?
Oh non, j'ai cru qu'au loin il y avait une sorte d'item magique ou je sais pas quoi. Après, c'est moi qui m'introduis chez des gens. C'est peut-être des gens très bien. J'ai tellement l'impression que c'est moi le vilain dans l'histoire là. Mais je m'achète une conscience en me disant que il suffirait qu'ils veuillent discuter. Mais non, ils m'agressent comme ça. Hein. Sac de toile avec dedans. Il est joli cet anneau. Je n'avais pas vu des comme ça. Une potion de choix. Et des trucs aux F. C'est quoi ça? Une étoffe pliée. Faut que je fasse gaffe que je loupe rien sur les rebords. Ici, un autre coffre. Puis ils sont tous ouverts les coffres. Il n'y a même pas le plaisir de crocheter le coffre, quoi. La musique qui s'emballe. Je fais une sauvegarde parce que je crois que ça fait longtemps. Même si j'ai pas l'impression d'être en danger véritablement. On sait jamais ce qui peut se passer. Oh, toi tu fais peur, toi. Alors, t'en as des choses. C'est quoi ton masque? Casque de cuir de Netch bouilli. D'accord. C'est cool, n'empêche, tu tues quelqu'un. Et tu peux mettre toute sa tenue derrière. Yip. Oula, non, pas la magie. Ah! Vite, 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 tue-le. Voilà. Nickel. Hop. Hop. On prend la thune. C'est quoi comme arme, ça? Dague en acier classique. Ah, il s'est passé des choses pas cool ici. Il y a eu du remue-ménage. Ah, une autre gemme. Ouais, c'est pas les dernières, on est d'accord. Hein, oh, c'est quoi, ça? Ah, c'est du skooma. Le skooma où je connais pas encore les dernières propriétés. Tout ça, on peut pas. Ça, on peut. Ah, ah, ah. Déclenchement sur décision, dommage. Dommage, dommage. Du flin, mast. Hop. Alors, ordinaire, moindre. Une pièce d'or, très très important. Du sujama, ça souffle quand même. Ok, très bien. Petite sauvegarde. Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir monter. Oh, 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 pardon. C'est trop facile. Stupide. Très bien. Hop. Ah non, j'ai laissé l'argent. Par principe, on prend l'argent. Mais c'est quoi ces lits sans oreiller, quoi? Bon, d'un autre côté, ça nous fait gagner du temps. Ah, papier. Mais c'est les papiers où il n'y a rien écrit, ça, on est d'accord. Ok. Un autre papier. Bénédiction du guerrier. Je sais même pas si j'en avais vu de cela. Potion de santé bradée. Rien d'intéressant. Est-ce qu'il y aura un truc planqué? Non. Bon. Hop. Alors, ensuite, il nous reste... Oh, ça, j'ai pas fait, ça. Vous avez perdu. Alors, qu'est-ce que tu as? Crochet de compagnon, je prends. Crochet d'apprenti, je ne prends pas. Et le reste, je te laisse. Un panier. Des potions de choix. Nage rapide, ça c'est cool. Vision nocturne, ça sert à rien, mais c'est une jolie potion, je veux pas la laisser. Découvert, tout le reste aux F. Ah, un bouquin. La chambre close. Ah, oh, j'ai déjà dû la lire du coup. Parce qu'un truc à 200 qui me file rien. À mon avis. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fleur d'amertume, c'est surtout... Ah, c'est de la peau de gare. Très bien. On a un coffre avec rien dedans. Vas-y, je le referme. Une potion de chance de qualité, ça, on s'en fout. Non, je veux la thune. Je crois que j'ai ramassé des trucs useless. Je suis pas sûr, mais... Non, c'est bon. Fermé, et donc il y a des flèches de feu. Mais on va dire aux elfes. Oh! 100 pièces d'or. Ah! Un oreiller! Qu'est-ce qui s'est passé?
Lui, c'était le chef. Il a le droit à un oreiller. Les autres, non. Hop. Et donc ensuite, on est au début. Nous restera... Donc là, c'est d'où on vient. Et on peut aller ici. Petite sauvegarde. Alors... Et là, on arrive en extérieur sur le toit, peut-être. Oui. Et il y a quelqu'un tout là-bas. Alors, je ne vous connais pas, que voulez-vous? Connaissance. Histoire personnelle. Archer. Nerevarine. Ouais. Et tu m'attaques pas, toi? C'est cool, ça. Bon, lui ne m'attaque pas. C'est une bonne nouvelle. Et toi? Hop. Sauvegarder devant. Que voulez-vous? Bon, rien de spécial. Mage de guerre. Et tu m'attaques pas non plus. Donc ça c'est intéressant. Peut-être que je pourrais tenter de monter. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Qui va là? Au revoir. Oh non. Je peux pas, je peux plus, alors que j'aurais pu avant. Ah. Et du coup, lui par contre, je peux lui reparler, je crois. Oui, lui, je peux. Donc ce qu'on va faire, on va recharger. Avant, comme si je lui avais jamais parlé. On va faire ça. Et je vais tenter de monter ma persuasion. Enfin bon, le fait qu'il m'aime bien. Chaque fois, j'oublie le mot. Vu qu'on peut lui parler que la première fois, peut-être que si j'augmente la première fois... Voilà. Non, c'est bien persuasion, c'est ça. Ton admiratif, 73. Ton admiratif, 71. 83. Au revoir. Et je peux lui parler maintenant et lui reparler. On va sauvegarder, c'est plutôt cool. Mais il n'y a rien de nouveau apparemment. Je vais continuer juste pour voir. Oh, 93. C'est pas mal. Je ne sais pas qui... Oh non! Ah, si, c'est bon. Persuasion. 82. Ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit. Hein. Et là, je suis en train de descendre dans les limbes. 84, vas-y, remonte. On était monté. 83. Je descends pas beaucoup à chaque fois. Ah là là! Ah, 88. On a fait 93 au mieux. Oh, 98! Vas-y. Non mais 98, on est les meilleurs amis du monde. Mais ça change rien. Bon, ça doit être utile pour plus tard. Bon, 98. Et il n'y a rien de nouveau. On va aller voir avec l'autre. Hop. Pareil, sauvegarde devant. Et ça ne nous coûte rien en plus, c'est ça qui est beau. Je suis sûr que ça augmente ma compétence. 66. 76, ah voilà, éloquence à 34, j'en étais sûr. 70, 65, ah, c'est pas bon ça. 60, mais tu arrêtes. 58, mais qu'est-ce qui se passe? 68, 78, 88. Hop, on va sauvegarder. On va tenter encore. Ah, 98. Ah, c'est beau. Ouais, bah du coup, tu nous dis rien non plus de spécial. Hein. Peut-être pour plus tard. Bon, en tout cas, eux, on peut pas les tuer. Fais voir. Oh non, j'ai perdu 25 pour de vrai. On va recharger. Hein. Je voulais monter à 100, voir ce que ça faisait. C'est notre meilleur copain. On a deux très bons amis sur le toit, alors qu'on vient de tuer probablement toutes leurs connaissances à l'intérieur. Mais... Bah, on est proche, quoi, donc on se pardonne les choses, on discute, on comprend. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit qui, qui vole? Oui, il y a un Khajiit. Il y a un petit Khajiit. Bon, tout ça, à mon avis, enfin, je suis quasiment persuadé que c'est pour une quête plus tard. Mais au moins, on aura nettoyé. Tout ça, on s'en fiche.
Ah, ça c'est bien ça. Lichen rouge, ça on s'en fiche. Et le reste, on s'en fiche. Qu'est-ce que t'as de beau ici? Du skooma. Mm-hmm. On se demande ce que tu fais, toi. Hein. Ah, mais vous êtes deux. J'avais pas vu. Le livre des Dédras et... Oh, Mystère de Talara, livre 3. Et bim, Destruction à 8. Ça, ça fait plaisir, ça. Ça, c'est bien, ça. On en veut plus, des comme ça. Je passe les pages pour vous permettre de lire pour ceux qui suivent les bouquins. Fermé, donc il y a un petit peu de thunes. Il y a un coffre qui est fermé. Si vous regardez devant. Hop. En tout cas, ils s'en foutent que on ne fera pas attention au patch. Je n'avais pas vu. Clé des esclaves. Je l'ai déjà la clé des esclaves, non? Oui. Ils n'ont pas aimé. Vas-y, ils n'ont pas aimé, on va pas le faire. Pourquoi avoir mis des boobs comme ça sur les Khajiit? Je comprends pas. Ok, on va pas trop les regarder. Donc là, on a dit rien à prendre. Svandra. Avez-vous les clés de ces bracelets? Allez-vous me permettre de recouvrer la liberté? Oui. Ôtez les bracelets des esclaves. Ah là là. Oui, Svandra est libre! Zendra, tu as écrit des rumeurs, elles aident les esclaves, recouvrez la liberté. Au revoir. Donc on est très très copains là tout de suite maintenant. Et toi aussi. Allez, ôtez les bracelets. Lanterne jumelle. Alors, Dana ne connaît que des rumeurs, elles aident les esclaves à réussir leur évasion et nous ramènent en Elsevier. Donc ils sont très très contents. Mais d'un autre côté, c'est quoi ça? Ah, c'est les bracelets, ils sont au sol. Oh, c'est nice, j'avais jamais fait gaffe. Alors j'avais oublié. Que la journée vous soit agréable. Bon, bah, du coup, on les a... Bon, voilà, ça doit être une quête pour ça. Hein. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même piquer ce qu'il y a là-dedans ou pas? C'est un arc, ça. Rien à voir. Voilà. Personne m'a vu. Ils étaient de dos. C'est parfait. On peut y aller. Ok. Et il nous reste le sous-sol qu'on n'a pas fait. Hop. Et du coup, toi, mon grand copain. Ah, mais du coup, on a perdu. On était à 98 et d'un seul coup, tu, comme ça, tu m'aimes moins. Hop. On descend. Je suis quand même très curieux des téléporteurs juste à côté. Hein. On revient ici et on va encore pouvoir descendre un étage de plus. Normalement de l'autre côté. Hop. Je vais juste me reposer pour avoir mon endu. Personne ne m'a attaqué, parfait. Les souterrains. Vous croyez que il va pas m'aimer? T'es tout seul? Alors, je ne vous connais pas, que voulez-vous? Vas-y, ton admiratif. Oui, c'est vrai. Juste pour voir s'il m'attaque derrière. C'est rare qu'on me le dise et d'autant plus apprécié, merci. Donc non, il ne m'attaque pas. C'est cool. Je comprends pas trop, mais d'accord. Et les autres là-bas? Ah non, la personne m'attaque maintenant. Il doit y avoir une raison, un truc que j'ai pas compris. Mais genre pas du tout. Difficulté 15, très bien. Un coffre avec dedans masse thune. Si personne me regarde, hein. Ah, personne regarde. On se met comme ça. Ah. Ni vu ni connu. Très bien. Beaucoup de portes. Du skooma. Au moins, on sait où il y a une réserve de skooma. Beaucoup, beaucoup de portes différentes. Donc moi, faut pas que je me plante. Je viens d'ici. Donc c'est en haut de la minimap, au nord.
Et il y a eux à qui on va parler également. Je peux déjà faire les dialogues avec lui pour voir. Hop. Au revoir. Alors, ils ont du mal à vouloir me parler quand même. Alors, connaissance, dernière rumeur, garde. Histoire personnelle, c'est un barbare. Nordique, petit conseil, rat des cavernes. Très bien. Bon, lui, il a rien de spécial à m'apprendre. Ensuite, Durzum Groshagrak. Et pourquoi ça me dit quelque chose, Durzum Groshagrak? Persuasion. Ton admiratif. Ah, raté. Ça ne m'intéresse pas, mais il a rien perdu. Ah là, il est content. 69, ça ne l'intéresse pas. 81, c'est pas mal. Je peux plus, à votre avis? 81, on joue avec le feu. 71, ah là là, je vais le regretter. Ah là là, je le regrette déjà. 78, vas-y, vas-y, vas-y. Ah là là, 88. Parfait. Rien de spécial. Non. Il reste toi. Vas-y, moi je... Je veux que vous soyez mes amis. 78. Ah, j'ai cru que toi, ça allait être le perfect. On reste à 74. Ah non, toi, ça se passe mal avec toi. Tu vois clair dans mon petit jeu, je pense. Ah, 78. Tu me donnes une deuxième chance. Mais tu t'aperçois que c'est pas une bonne idée. Et décidément, tu n'y arrives pas du tout. On tente l'ultime bafouille. 73. C'est rigolo. 86, je sais pas pourquoi j'ai envie de continuer encore. Mais c'est addictif en fait de voir la petite barre bouger. Oh, 91! 91, c'est beau. Ouais, rien de spécial. Hein. Il y a absolument rien de spécial. Donc on peut sauvegarder. À votre service, Khajiit. Oh, bah c'est cool, c'est gentil. C'est gentil. Et du coup, nous voilà dans les souterrains de cet endroit. Il a un nom, cet endroit, l'Ormarène. Et on a pas mal de portes à explorer. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire ça la prochaine fois. Du coup, j'ai quand même du mal à comprendre la logique de l'endroit. En haut, personne m'attaque. En bas, personne m'attaque. Par contre, au milieu, ils me défoncent. Au milieu, c'est les gens de l'entre-deux. C'est les gens qui n'arrivent pas à se décider. C'est des gens rageux. Ouais. Mais peut-être que parce que tout cela, ils ont un rapport. Pourquoi lui, son nom, il me dit quelque chose à Durzum Groshagrak? Je sais pas. Il n'y a pas d'oreiller, non. Non, non, bah, je pense que ça ira très très bien. Pour... Ah, c'est... Oh, du sucre de lune. Je ne l'avais pas vu. Par contre, en effet, le skooma, là, il y en a plein. Ah là, il y a des égouts. Ah, une porte fermée avec une serrure. Je crois que l'autre était fermée avec une serrure aussi. Alors, trois portes fermées avec des serrures et... 4 portes fermées avec des serrures. Ah, ah, hâte de voir ce qu'il y a derrière. Hâte de voir ce que ça nous réserve. Mais hop, ce sera pour la prochaine fois. On va se remettre au début pour être sûr d'être dans le bon sens. Faire une petite sauvegarde. Et on découvrira tout ça plus tard. Alors je vous préviens, habituellement j'attends de voir vos conseils dans les commentaires, tout ça avant de tourner la suite, pour rebondir un petit peu dessus. Mais là, je vais devoir tourner 3 épisodes d'avance, vu que je serai absent pendant un moment, pour que vous puissiez avoir du contenu en continu. Allez-vous, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.